Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet. Alors avant ça, on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui, le jeudi 25 novembre. C'était à Vincennes, Réunion 1, course 1. Le départ a lieu à 13h50, 16 partants, 2850 mètres sur la grande piste. Et c'était corde à gauche. Dans ma sélection, je vous donnais le 16, le 8, le 10, le 4, le 13, le 6, le 3 et le 11. L'arrivée était le 4, 16, 6, 9 et 12. Donc je vous donne le tiercé en 6 chevaux. Bon, c'était pas très très compliqué. On n'a pas eu le 9 et 12 comme outsider. Mais c'est déjà pas mal. Au moins on a le tiercé dans le désordre. J'espère que vous avez touché. Au moins que vous êtes remboursé de votre mise. Donc mon coup de cœur, le 6, comme je vous avais dit qu'il était à reprendre, il arrive, troisième. Bien, en plus il était à 14 contre 1, je crois. Donc c'est pas mal pour la journée d'aujourd'hui. Alors on va partir demain, vendredi 26 novembre. Ça sera à Vincennes, Réunion 1, course 3. Départ aura lieu à 20h15, 15 partants, 2700 mètres sur la grande piste, corde à gauche. Alors j'ai pris des risques, tant pis. Pour demain, je vous ai mis le 5, mon Pharrell 7 de Jean-Michel Bazir. Après, je vous ai mis le 3, Feeling Boy de Yves Dreux. Le 6, Emblème Castellet de Éric Raffin. J'ai mis le 2, Fuchsia Piergi de Robin. Le 15, Fogo Pico de Joseph. Je vous ai mis après le 8, Fuego du Mortier de Franck Ouvry. Le 13, Épicure de Dabouy. Le 10, Farinelli Paulois de Sébastien Ernaux. Et voilà, et en cas de non partant, je vous mets le 4 Fakir de Gesvres de Dromini. Donc je répète ma sélection, le 5, le 3, le 6, le 2, le 15, le 8, le 13 et le 10. Et en cas de non partant, j'ai dit le 4. Voilà, j'ai pris un risque pour le 13. J'aime bien ce cheval, il est assez régulier, il est en forme. Donc je pense que demain, comme j'ai beaucoup de surprises le vendredi, donc j'ai tenté le 13. Voilà les amis, pour moi là-bas, je pense 5 et 3. 5, 3, 6, il devrait être dans le quintet. Je suis assez confiant pour ces 3 chevaux. Mon indice de confiance demain, ça sera 3 sur 5. Car on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Soit c'est les favoris ou soit c'est les tocards. Avec un minimum de 1 ou 2 favoris quand même. Donc faites attention demain à vos jeux, pardon. Jouez peu, mais jouez bien, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.